l'industrie également, côté positif, avec la création de la Banque publique d'investissement BPI France. Ce sont quand même 60 000 entreprises aidées. Alors bonjour, ici Gérard. Là, c'est un petit poste radio Lexon. Donc, c'est un designer qui l'a construit. C'est Marc Berthier. Design Marc Berthier. Voilà. Lexon Tico Radio. Donc vous la trouverez sur internet. Il y a plusieurs modèles de couleurs. Hein, puisque ça c'est l'étanche, le côté étanchéité qui change. Donc c'est un poste radio AM, FM, le volume, moins plus. Le bouton marche, enfin arrêt marche. Ça, c'est pas l'antenne, c'est le condensateur variable pour changer les stations. Voilà, c'est marrant. L'antenne est à l'intérieur, l'antenne en AM et en FM. La conception est fiable. J'ai regardé l'intérieur, c'est très bien fait. Donc là, ça se démonte. Enfin, je vais pas le démonter. Tout ça, ça se démonte. On fait comme ça. Il y a des petits ergots. C'est très pratique. C'est très. On peut la remonter. Là, c'est l'accès aux piles. Il y a des vis. Donc, les trois vis. Alors, il faut mettre des piles non rechargeables parce que les modèles rechargeables sont un peu plus larges. Et ne conviennent pas pour le logement. Elles n'arrivent pas à les loger. Voilà. Donc c'est des piles alcalines. Donc là c'est l'étanchéité du haut-parleur. Mais là vous pouvez appuyer, c'est pas le haut-parleur parce qu'il y a une grille de protection. Donc quand on enlève la partie étanchéité là. Voilà. Donc là c'est le CV, il y a les fréquences, mais c'est pas digital, hein, donc voilà. Comment une Miss célibataire, comment tu peux Bikram une Miss célibataire? Le son est correct. Hein. Aux hommes politiques par exemple. Paron et de châtaigne, justement en parlant de crème Marie-Hélène, direction Épinay sous Sénard dans l'Essonne avec Zahara. Bonjour Zahara. Bonjour Zahara. Bonjour tout le monde. Il n'y a plus de vol retour. Alors... Oui, beau Grenelle Paris. Et je... Oui, demain et juste. Français. L'orchestre de jeunes Gustave Mahler, dirigé par Myung Woon Chung, accompagné les frères Capuçon, Renaud Capuçon au violon bien sûr, et Gauthier. Voilà, donc c'est un bon petit poste pour la plage. Les randonnées, enfin tout ce qui peut amener à la projection d'eau et de sable. Voilà, donc ça s'enlève rapidement, ça peut se laver et puis vous avez toujours le poste en bon état. Le son est correct, la sensibilité est moyenne, mais bon, pour ces petits postes, faut pas que ça soit trop sensible parce que ça interfère entre les stations en général. Là, c'est correct. En AM, j'ai essayé, je capte à Paris. Voici un peu la... La radio RTBF. RTBF, la Belgique. Enfin bon, c'est pas très... C'est pas dans les conditions optimales. Voilà, donc le Lexon. Il coûte sur internet 73 $, ça fait 80 €, peut-être à peu près aux environs de 80 €. Voilà, c'est super pour la plage et il est assez puissant. Enfin, moi je pense que c'est bon. Salut, à bientôt.